Je vous ai déjà dit, il y a un avertissement, donc je vais mettre l'avertissement tout de suite. Voilà, j'ai fait le bruit de l'avertissement. Et ensuite, on va jouer au jeu. On est à plus de 30 heures sur mon Steam, mais j'y crois moyen. Franchement, on n'a pas joué 30 heures pour un jeu qui dépasse pas les 20 heures, voyez-vous. Même s'il y a une traduction anglaise. En direct, version originale sous-titrée. Donc voilà, ça c'est l'avertissement qu'on a tout le temps, hein, je vous rappelle. Je déplace un peu le micro, voilà, comme ça c'est mieux. Je joue à la manette, normalement ça devrait fonctionner. Je n'ai pas retouché depuis un moment. Je vais faire le check son, parce que je sais que Mori, le son il est un peu bas au début. Check son, 2 minutes. Ok, j'ai fermé un peu trop rapidement le micro, mais bon, vous avez bien compris que c'était un check son. Ok, 1, 2, 1, 2. Je vais pas vous faire les... Je vais pas vous faire les... Les checksons de la blague. Voilà. Hein. On est parti. Du coup, normalement, on est censé être à la fin. Donc, on va voir. Il reste 2 jours. Normalement, on est censé... Même, il reste 1 jour, normalement. Donc, on va voir. On avait fait pas mal de choses. D'ailleurs, on devrait demander... À Marie... qui reste à faire. Elle a toujours aimé mon sourire. Est-ce qu'on a besoin de... Oui, bah, bien sûr. On cherche toujours Basile. Basile est perdu. Après, il y a d'autres trucs, mais bon. On a un problème parce qu'on ne trouve pas Basile. Alors, on a fait presque tout le monde. On est même allé au Deep Well. Je sais pas pourquoi il veut pas qu'il soit visible. Enfin, c'est toujours invisible. Donc on va continuer. On avait fait pas mal de choses. Là on était dans le royaume des baguettes. On a battu les boss, qui était un double boss. Le boulanger avec un bruit d'accordéon en fond. On va les retrouver plus tôt. Et on va essayer d'avancer parce que faudrait le finir ce jeu à un moment. Alors, on va aller dans le Deep Well. Je sais pas pourquoi le Deep Well il est pas débloqué. En tout cas, on va aller voir dans le Deep Well pourquoi. C'était très compliqué la dernière fois. Il y avait beaucoup de choses à passer dans le Deep Well, mais on va faire ça. Je sais pas exactement où on devrait aller, à part justement la forêt. Mais il y avait toujours pas le truc la dernière fois qu'on avait fait. Donc, on fait un petit tour ici. Surtout pour les. Comment ça s'appelle ? Alors voilà, donc ça c'est tous les personnages, donc Kel, donc Omori. Kel, Aubrey, et du coup, je ne me rappelle plus de son nom, Hero, voilà. On a pas mal de choses, on a des skills, alors on a récupéré un skill, et je pense que c'est celui de Hero la dernière fois. C'était Spice, je crois quoi. Et je pense que Spice Food, vu que c'est lui qui s'occupe de la bouffe, ouais, voilà, ça. De mettre je faux et make be hungry, ok. Mais j'aime bien garder Hero en tant que heal. Voilà, notre heal, c'est Hero. Omori, c'est un peu notre main, donc il fait un peu tout. Aubrey, c'est plus notre tank. Et Kel, c'est plus notre support. Oui, support. Donc on va voir un peu dans le Deep Well parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc qu'on n'a pas fait. Je ne sais pas quoi. Et on est censé trouver aussi des... alors il y a... comment qu'on fait pour aller chercher les lettres? C'est où qu'on voit les lettres? Voilà. On est censé trouver des lettres. Donc welcome back to... welcome to Black Space. Donc on doit trouver le C, absolument. Le C entre deux. Alors donc ça c'est dans la forêt. Le W. Il est dans la bouche d'une baleine, donc du coup ça devrait être ici. Donc on va trouver une baleine, on va chercher la baleine. Et le T, ça devrait être ici aussi parce que c'est un bubbly tank. Voilà. Donc, on va aller par là.
Ça se ressemble, mais ça ne s'assemble pas de masse. On continue, on va le faire à pied parce que la dernière fois, j'ai l'impression qu'on a loupé des trucs en passant en taxi. Alors, qu'est-ce qu'il dit que c'est ? Oui, c'est la route sans fin, oui, bien sûr. Il n'y a pas un truc, non ? Ok. Ah, mais je vois qu'il y a la souris, je l'enlève tout de suite. Mais pourquoi il y a la souris ? Donc on est à la fin, normalement Omori est censé se réveiller et de redevenir Nino, et on est censé avoir la fin de l'histoire du côté de Nino je pense, et au niveau du premier jour, parce que là je pense qu'on a fait pas mal de choses dans son imagination et on a plutôt réglé des trucs. On va prendre les taxis parce que j'ai l'impression qu'on va jamais y arriver sinon. Hop. Il va m'emmener au Last Resort, ouais, c'est ça. Vas-y, pas. Alors, le bubbly tank, logiquement, il devrait être à l'intérieur du casino. La baleine, je suis pas sûr. Ah, c'est peut-être elle, la baleine. Non. Donc lui, il veut juste une blague. Ok. Et après, on est censé redistribuer les blagues, sauf qu'on l'a pas fait la dernière fois, je crois. On n'a pas fait toutes les blagues, en tout cas. Donc là, normalement, il y a la fête, mais je suis pas sûr qu'il y ait tous les... Il y a la fête des fantômes, mais je suis pas sûr qu'il y ait tous les fantômes qu'on a trouvés dans le jeu. Donc on va aller voir, juste pour voir. Il y a l'air d'avoir du monde, quand même, hein. Je vais parler à Monsieur Fantôme. Je sais pas, j'ai fini. Ok, il y a 6 spooky maps avec des directions pour venir maintenant. Ok. Et le reste, du coup, encore. Il reste encore 6 fantômes. Bon, on va manger un peu. Ça va nous donner de la vie. Donc là, par exemple, il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de. Alors, Bubbly Tank, c'est en fait, c'est un récipient avec des bulles. Donc, on soupçonne que ça devrait se passer dans le coin, vu que c'est le monde de l'eau, c'est ici. Et du coup, la baleine, elle devrait être ici aussi. Donc, on va checker. Hop. Je me rappelle pas si c'était bourrin dans ce passage-là. Je crois pas, parce qu'on a réussi à traverser pas mal. Là, il n'y a pas d'aquarium, parce qu'un bubbly tank, pour moi, ce serait un aquarium. Ok, je regarde vite fait ici. Il manque toujours Basile, hein, c'est notre cinquième ami. Alors, bubbly tank, là, il n'y en a pas trop. Là. Oui, controversiel. Bon, je comprends que c'est une pièce d'une œuvre d'art controversielle. Soumise à controverse, normal. Bon, on va faire les étages. Hein. On est censé faire. On peut les faire normalement. Hop. J'ai cliqué direct. On va voir, c'est le premier étage, je pense. On va tous les faire parce que, en fait, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi il n'est pas débloqué encore le Deep Well. Il manque peut-être quelque chose. Ah bah. Pourquoi il est là, lui ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait. C'est vrai qu'on l'avait trouvé. Je me sens un peu inventif de temps en ce temps-ci. I got the need to make something. J'ai eu le. Enfin, j'ai pris l'habitude de faire quelque chose de grand, quelque chose d'incroyable. Je vais faire la plus grande et la plus incroyable des armes ici. Mon seul problème, c'est que je manque d'inspiration. Ce que je cherche, c'est du matériel pour créer une arme ultime. Quelque chose qui est pliable et en même temps dur et peut-être bouillonnant. Je comprends pas. Si tu peux trouver quelque chose comme ça, je vais te donner. Je te ferai ton arme. Ah, du coup, je l'ai pas là. Est-ce qu'on a un truc comme ça? Donc c'est dur et en même temps pas dur. Et un peu bouillonnante.
Je sais ce que c'est. Attendez, il y a des gens qui... Ils devraient pas être visibles, en fait. Attendez, je vais faire un truc juste 3 ans. Juste pour voir pourquoi... on voit des choses. De toute façon, là, c'en est toujours, c'est Shift... Shift Tab. Shift Tab, voilà. Est-ce que je peux enlever le... Mais off partout, je sais pas ce que c'est. Notification, c'est ça qu'il fallait que j'enlève. J'enlève tout. Sur notification, j'enlève tout. Always. Always. Bon. Ok. J'ai l'impression que c'est bon. Voilà. Je remets le jeu. J'étais juste dans les options de Steam. Hop. Ok, quelque chose de pliable. Ouais. Est-ce qu'on a ça? Je ne sais pas. Dans nos poches. Un jouet, j'imagine. Pliable et en même temps dur. Je suis pas sûr que ce soit dans mon jeu. Ah. Ça pourrait être ça. Hein. Donc ça donne de la vie, je vais garder ça. Mais... De toute façon, c'est la première fois qu'il nous donne le truc, donc c'est sans doute que je l'ai pas encore. Hein. Donc là, il aurait pu avoir un double temps, mais il y en a pas. On peut pas courir. Ah, d'accord. Deuxième. Parce qu'on était premier. Je crois qu'on était au premier. Quoi qu'on... C'est possible qu'on était au deuxième déjà. Ok, donc là, il n'y a pas de baleine. Pas d'aquarium. Et je précise quand même que je ne vais pas finir en faisant toutes les mini-quêtes non plus. Je veux juste finir le... Ah mais non, j'ai appuyé sur le sous-sol. Bon, on va regarder ce qu'il y a dans le B1, parce que je sais pas si qu'il y ait des trucs. Ah, non, mais déjà, elle est là. Ok. Mais non, je clique n'importe comment, je smash. Vous êtes content hein, de voir que je galère. Mais ah, j'en peux plus de moi. J'ai un peu plus. On veut aller au 3. Voilà, merci. J'aurais dû commencer par le plus haut, ça aurait été plus simple. J'aurais pu ne pas me tromper comme ça. Alors, une baleine, on cherche une baleine, bonjour, je cherche une baleine. Avez-vous une baleine? Non, bonjour. Ah, ça c'est la maman du garde du corps. Lui, il est un bourrin, mais il peut me donner des trucs. Non, je devais pas lui parler, en fait, à la... je crois que non. Non, elle se la pète toujours de ses enfants. Et après, elle me menace. J'ai oublié cette histoire. Bon. Pas l'air d'avoir grand chose. Je crois qu'il y en a, le troisième ou quatrième niveau qui est en travaux. Non, on était au troisième, donc ça doit être quatrième ou cinquième.
quatrième du coup. Parce que le cinquième, c'est le chef. C'est le quatrième qui est en travaux. On va aller tout au bout. Ah bah ouais, Bubbly Tank, c'est ça. Non ? Bah, on va voir si on peut... On a l'air d'être heureux à jouer. Ok. Et ça, c'est un contenant avec des boules, donc le chemin, ça pourrait être ça. Oh. C'est pas ça. Bon, allons là. Ok, donc là, il y a Marie encore. Ah oui, il y a la statue de héros. Ça pourrait être une bouteille, hein. Mais le problème, c'est qu'il faudrait trouver la bouteille. De toute façon, c'est la touche, normalement c'est super gros, donc je comprends pas. La touche de... on fait le tour, on verra après. Hein. On va tout en haut. De toute façon, on avait déjà tout cassé pour monter tout en haut, je crois. Hop, y'a rien. Y'a rien. Y'a un mec bizarre. Et après, on remonte. Voilà. Et du coup, on se retrouve ici. Chose qu'on n'a pas envie. Donc, on redescend. C'est intéressant, en fait, le fait de pouvoir ressortir, mais ça m'intéresse pas de... Pour l'instant, quoi. Nous, on cherche notre... Ça fait un peu stream de cette quest, hein. J'avoue que je devrais peut-être pas... aller chercher les trucs. On devrait aller directement à la forêt. D'ailleurs, la forêt, c'est là où on devrait trouver le C. On continue. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas débloqué, du coup. Réellement. Voilà. Pourquoi ça ne s'est pas débloqué? Il y a un truc qui manque, j'ai l'impression. Peut-être que ça se finit ici. Là, y a, voilà, ça c'est des requins, le chef des requins. On s'est fait jeter la dernière fois, donc bon. À la conciergerie. Ok, bon, il n'y a pas grand chose. Allez, on descend. Oui, cinquième. Ça c'est basement. Ah oui, B1 c'est ça. C'est le 1. Premier étage, le one floor. Voilà. Excusez-moi, je rez-de-chaussée, premier étage. C'est tout un autre game. Hein. On n'est pas allé dans les toilettes. Je soupçonne que je peux pas aller dans les toilettes des. Ah bah si. C'est pas là. Ah mais il y a que les garçons qui rentrent et du coup il y a que Aubrey de l'autre côté. Je me pose la question. Ouais, donc là Aubrey veut pas rentrer et elle a bien raison. Et là il y a que Aubrey et on joue que Aubrey. Ah c'est intéressant. Donc du coup on peut prendre ça par exemple. Du coup je suis le miroir du mur
Et vous êtes la plus mignonne de toutes. C'est trop bien. Ok, bon, allez, on se barre d'ici. C'est pas ici qu'il y a quoi que ce soit. Et du coup, là, on est revenu sur la route. Il y a un endroit où on revient pas sur la route. C'est du côté des douaniers. Ah bah si. Ah, faut que je... En fait, faut que je revienne toujours. Faut pas que je fasse la marche à pied. Ok. Au début, il faut que j'aille direct vers les douaniers. C'est peut-être ça qui manque. Parce qu'en fait, on est allé jusqu'à... Ah ouais... Bon, vas-y, on abandonne, on va aller voir plus tôt. J'ai dû louper un truc. Je sais pas quoi, mais j'ai dû louper un truc. Et on va aller, je sais pas où. J'ai dû louper un truc ici, mais je ne sais pas ce que c'est. À part prendre le taxi, il n'y a pas 36 millions de réponses là, sur le coup. Bon, vas-y, on prend ce taxi-là. Oui, on va aller au Deepwell. Donc là, on est au Deepwell. Ok. Donc on va prendre ça. Ah, bah là, il y avait le douanier. Voilà. Et là, tout est ouvert. Ok. Donc là, il y a Pluton... Là, c'est pas ouvert. Peut-être que c'est parce que j'ai pas tout débloqué dans le Deepwell. On va le rendre ça plus amusant. Est-ce que tu veux pour tourner les trucs là, si tu veux. 601. Ah, ça va être le prix. Bah, vas-y, je paye si tu veux. Vas-y. Ouais. 1220. Ok. 1890. Non mais moi tout est bon. Je paye. Salut. Moi je suis blindé donc je m'en fiche un peu. Ah. Do you want to check the view? Oui on a... Bah, je sais pas si on peut aller regarder cette vue là. On est allé là, dans la ville, je suis même pas sûr. Bon. Et ça, on l'a vu ça. En fait, le truc, c'est ça qui est marrant, parce qu'en fait, j'ai dû éviter toute la douane. Donc là, si je dois constamment payer, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, à chaque fois, tu peux éviter la douane. Mais si je dois payer, vas-y. Lui il voudrait être payé pour le travail en plus la nuit. Il n'y a rien à voir. Il n'arrête pas de remplir ses trous. Laisser quelques sticks à la maison. Okay. Ah bah il y a les motards là. On avait déjà vu une fois. Bon allez, on va rentrer dans ça. Ah oui, c'est là où. J'ai oublié. En fait, on va pas prendre à manger parce que ça coûte. Et j'ai pas envie d'écouter la chanson. Par contre, du testy soda parce que ça sert un truc incontenant à bulle. Je sais pas si c'est ça. Mais au cas où. Alors, respecte ta communauté. Donnez en charité. Soyez gentil envers les autres et aimez vous-même. Je suis plutôt d'accord. Ah! Ah oui, mais ça, c'est la ferme. Avec tous les gens qu'on a dû ranger. On a déjà fait ça.
prendre des magiciens de l'enfer. Ah, j'ai fait ça. Ah, mais du coup, on n'avait pas fini? Bon, on va refaire ça. Allez, hop. On va faire un petit combat quand même. Normalement, on est beaucoup plus puissant que eux. Ils ont plus de défense parce qu'ils sont tristes. Oubliez pas que Omori a une charte d'émotion pour pouvoir savoir quelles sont les capacités que tu as. Donc là, par exemple, on va regarder la vie, on va aller avec la daille. On continue, on perd pas de vie, de toute façon, pas de problème. Ça va nous permettre de récupérer de la thune pour la douane. Mais je croyais qu'on l'avait déjà fait ça. Oh non, pas les poissons. Pas les poissons. C'est les sirois. Faut toujours protéger Kel, il a vraiment pas de vie en fait. Et voilà, c'est fini. Et on a de la thune, trop bien. Et on a trouvé des trucs, génial. Continue. Parce que c'est possible que la dernière fois, il n'était pas assez puissant pour tout ce là. Voilà, c'est fini, c'était magnifique. Quel combat. Pas du tout, pas du tout mâcher le bouton. Allez, viens. On continue. Ah, plus on prend des coups et plus ça fait passer des tours. Mais moi ça me dérange pas. Faites. Quand on est arrivé à 5, pas mal. On arrive à 10, on pourrait faire un combo. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps. On va mourir très rapidement. Là, j'utilise pas les capacités parce qu'il n'y en a pas besoin en fait. Hein. Normalement, on est suffisamment fort pour ça. Bonjour. Si ça se trouve, il manque un boss hein, dans Deep Well. J'ai fait un boss, c'est le boss de d'évitement de la douane, et maintenant il faut que je fasse le boss de non-évitement. Je crois que je vais utiliser la capacité sur de héros sur Omori. Voilà. Histoire qu'il prenne de la vie. C'est ton cas à faire. Je l'utilise gratuitement. À ouais, niveau 2, 42, 41, on fait des niveaux. Bien.
Ah, le bras. Le bras, je crois qu'ils sont par contre très très bien. On va voir. Je crois que tu flexes. Le bras 8. Elle s'est protégée. Ah bah non, c'était rapide au final. Et on a plein d'expérience, c'est magnifique. Salut, on est ici pour pouvoir battre des Charizard, des octopus magiques. Comment ça s'appelle vous ne passerez pas octopus. Bien. Bon. Voilà, c'est fini là. Cette joie de Omori quand il gagne, c'est magnifique. J'adore. Je vais peut-être le faire apparaître en tant qu'image pour le chat. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une commande courante. Hein. Je sais plus si vous êtes au courant. Courante. Je la customise au fur et à mesure, mais si vous avez besoin, c'est là. Il est pas mort. C'est fini, on a fait le travail. Allez, on va aller pouvoir récupérer notre récompense. Mais on lui avait déjà parlé, je suis sûr. C'est pas possible. Hey, salut, j'ai remarqué que vous êtes débarrassé de tout le monde. Allez, voici votre thune. Ah bah voilà, et en plus il nous donne de la thune. Ah mais du coup ça revient tout le temps. Ah, c'est Ad Vita Eterna. Donc en fait c'est ça, c'est qui nous permet de récupérer un peu de thunes de ce qu'on a claqué. Ouais, c'est un tapioca. Bon, ok. Là il y a une ouverture, là on peut aller par là. Ah oui, mais ça c'est pour éviter du coup la douane, on l'a déjà fait. On refera le retour dans l'autre sens, mais là on va payer. Qu'il dormait pas. Vous voulez juste que je vous ouvre? Et bah du coup c'est 3000. Ok. Oui, on veut que tu ouvres la porte. Ouvre la porte. Oui, on a de la thune. On est à plus de 50 000 là. On a vraiment tout économisé dans notre vie. Donc là il y avait un truc ici qu'on avait déjà récupéré. Monsieur, bonjour. C'est un ourson. Alors du coup évitez mes pics à tout prix. Ok, merci. Pas fini le dico là. Okay. Alors, donc normalement ça sait trouver des trucs ici. Donc il y a Marie là-haut. On va se regarder ici tout de suite. Et on va aller se balader. Parce que si on a oublié un truc, ça doit être ici. On va récupérer de la vie. Qui est du coup la musique du soin. Que j'ai mis en commande si vous êtes intéressé. Bah là-bas c'était le truc où on a dû se battre contre notre peur, donc je suppose que c'est pas ici. On va aller voir là-bas parce que j'ai évité pas mal de choses. J'avais fait, et voilà, il y a plein de monde, donc j'avais fait au mieux. De toute façon, ça ne prend pas beaucoup de temps et de vie, mais là on va être obligé de repasser, je pense.
On va faire des combos parce que... Allez, allez, 235, c'est pas mal. Ah oui. Ah merci Kiel. Ouh là là, t'es un bourrin. Bon. En fait, ça va me... en fait, c'est le temps qui m'inquiète. J'ai pas envie d'avoir envie de faire une longue VOD. J'en ai marre de faire des vidéos de VOD de 3 heures. On va voir ce qui se passe. Allez, allez. Je crois que ça. Ah oui, ça, c'est au break. Okay. Ça oberait qui tabasse et on tabasse ce petit lapin poisson. Bref, on va refaire tomber deux coups et hop, c'est fini. Ah bah voilà, un seul coup c'est suffisant. Là, normalement, avec Kel et Aubrey qui attaquent, ça va faire mal. Là, il est mort direct. Ouais, allez, au revoir. On n'a pas le temps. Ah ouais, mais il n'y a rien, en fait. J'ai déjà tout regardé, je crois. En plus, c'était au moment où je savais qu'il fallait prendre les trucs. En vrai, on part. On va dire qu'on a fait tout. Hein. Ok. Allez, salut. On revient ici. De toute façon, là, vu qu'on a payé toute la douane, on peut retraverser 15 millions de fois. Du coup, là, elle est toujours pas, hein, j'imagine, la carte. Non. Mais je sais pas si le Deep Well est censé changer de couleur. Donc, bon. On va essayer de monter par là, du coup. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit, là, notre oiseau? La fin de la route. On de la vie. On va aller dans la forêt. On va retourner dans la forêt, si j'aime, pour voir au moins s'il y a le... C'est le T ou le W qui est là-bas, je crois. Passons par là. Oui, on veut traverser, vas-y, traverse. Là, on est censé, on se bat contre nos peurs hein, dans ce passage-là. Chose qu'on avait faite. Comment je récupère ça? Je sais pas. On peut pas récupérer ça. On est vraiment passé par là jusqu'au bout? Ou je suis revenu en arrière et j'ai abandonné, je me rappelle plus de ça. Je sais plus. On continue. C'est quoi ça? Là, il y a plusieurs trous. Ah! On va commencer par celui-là. Ah, mais ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu. C'est bien ce que je me disais, du coup, il manquait des trucs. On va changer, on va prendre nos Mori. Non, mais j'ai pris ça. Je peux revenir en arrière. Ouais. Il y avait quelqu'un qui avait l'air un peu en détresse. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Ah, c'est un parvenu. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait être? Ok. Continue, rêveur. Tu es le seul qui peut. Je pense que c'était important, du coup.
Et ça, c'est quoi ça? L'univers est plein de questions que tu ne n'auras aucune, où tu n'auras aucune réponse. Cependant, il y en a où tu pourras en avoir. La vérité pour te sera révélée. Que feras-tu? Je pleurerai, hein, j'imagine, après avoir fini ce jeu. Bon, on continue par là, on reviendra après sur nos pas. C'est un peu c'est un peu individualiste comme rêve de rêver aussi longtemps quand il y en a qui t'attendent. Ça c'est le temps arrivera toujours vers avancera toujours, mais la vérité sera plus que la vérité sera claire. Tu le sais très bien, n'est-ce pas, rêveur? Oui, parce que Omori est la représentation dans le rêve de Nino. Bon, on avait bien fait de revenir, hein, n'empêche. Je sais pas pourquoi je suis pas passé par là. Attendez, il y a une sorte de main, là. Tes souvenirs sont libres. Pour regagner tes souvenirs, d'autres doivent être déchirés. Et cependant, tous les souvenirs s'effaceront. Peut-être que tu as déjà remarqué la malédiction du Deep Powell, donc ok. On risque de perdre notre chemin, j'imagine. On va aller là-bas. De la vie. Très bien. Quand les problèmes arrivent, c'est le meilleur choix, c'est de s'enfuir. Mais un jour, tu devrais te retrouver face où tu devras t'enfuir tout seul. Ok, sympa. On se retrouve face à une grotte. Le soleil brille quand elle était là. Parce qu'on sait, la sortie de l'eau a peut-être plus de sens. Attendez, peut-être que j'ai vraiment oublié ce passage-là. Je sais pas pourquoi, du coup. Compliqué, hein. Alors, on va aller continuer tout droit. Bon, on va monter parce que ça a l'air d'être de ce côté-là, donc on va monter pour voir ce qu'il y a. Ah. Ça, c'était Basile, ça. Tu peux parler à l'arbre ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'était Basile, là, sur le... Je sais même pas. Il y a longtemps... est mort... Il y a longtemps que... Ah, il y a longtemps qui s'est passé avant que tu t'aventures ici. Les calques du monde du Deeper Well augmentent au désespoir du rêveur. Même l'imagination est limitée. Ok. Il y a des questions que je peux répondre. Et des réponses que tu n'oublieras pas. Je vais les poser pour toi, si tu es curieux. Bon, on va poser la question d'abord de son ami, Basile. Oui, je veux savoir de mon ami qui est perdu, je veux en savoir un peu plus. L'ami que tu cherches, qui a disparu, n'est pas dans ce monde. Le jour où il a été enlevé, il a renaquis ailleurs. Il est spécial pour toi. Il est lié à ta destinée. Il ne peut pas s'enfuir de cet endroit seul. Pour le retrouver, tu vas devoir te soustraire. Mais de la manière où c'est naturel pour ce monde. Pour le monde de l'espace. Pour le monde mental, quoi. La journée est proche de sa fin. L'aventure est proche de sa fin. Tu dois déjà savoir ce que tu dois faire. Et s'il y a quelque chose d'autre, oui, bah on va demander pour le chat.
Le gros chat jaune. Oui, on devrait savoir un peu plus sur le gros chat jaune. Avant que ce monde ait été créé, il y avait trois créatures. La vieille, l'intelligent, l'intelligente ou la favorite, ou le favori. La vieille est toujours vivante, ou le vieil est toujours vivante, mais ce n'est pas la même que c'était. L'âge a enlevé sa conscience et il a évolué en un parasite. Il vit ici, derrière cette caverne. L'intelligente est contre raison. Donc Wisest, en fait, c'est plus apte, en fait, à quelque chose. A commis un acte qui est allé à l'encontre de la volonté du rêveur. C'est un acte qui ne sait même pas. Et en résultat, il a été dépouillé de toute intelligence et banni en isolation. Une prison spéciale, quelque part, très bas. Et le dernier et le favori, c'est le grand chat jaune qui a été choisi pour checker le rêveur et sa précieuse... Il reste le favori du rêveur jusqu'à maintenant, qui regarde diligemment et qui attend que quelque chose arrive. Ah, c'est la pression, hein. Est-ce que oui, on va demander la dernière chose du coup. Non, j'ai déjà posé cette question. Attends, mais non, mais je sais. Oh non, mais j'ai appuyé sur lui en plus. Oh, c'est la dépression, s'il vous plaît. Continue, s'il vous plaît. Ok, donc du coup, il faut qu'on sorte du rêve pour pouvoir retrouver Basile. Basile n'est pas là. C'est ça qu'il dit. Oui, et du coup, la dernière question, c'est... L'espace blanc, white space. Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur le white space? Donc du coup, pour être dans le white space, il ne faut être rien. Le white space est vide. C'est une maison sans chaleur, une place pour survivre, un endroit pour survivre, mais pas pour vivre. Et pourtant, la conscience ne peut pas être effacée. Il y aura toujours une manière d'y arriver. Même dans le white space, ça prendra forme. Et si la volonté... Et si quelqu'un a la volonté, quelque chose sera formé pour remplacer. Du coup, ce pendule pend la lumière noire, la répression d'une idée. Donc faudrait réappuyer sur la lumière. On sait où aller du coup. Et on faudrait qu'on passe au pinwheel d'abord peut-être. Peut-être que c'est le moment d'admettre que tu es humain, de rêveur. Tu as bien écouté, je t'ai donné toutes tes connaissances, mais maintenant, je peux aussi te donner du pouvoir. Il y a un challenge qui pourrait t'aider grandement. C'est une simple pensée, et tu peux réussir, et je serai parti. Je m'offre en tant que sacrifice. Est-ce que je vais prendre cette opportunité? Bah ouais, on va faire oui. Comprends. C'est un souvenir qui va s'enfuir. Où il nous ramène? Ah, s'il nous ramène, faut que je revienne en arrière, hein, parce qu'il manque des trucs, là. On va voir. Le fruit. Ouais, c'est mignon. Une bonne pomme apparaît. Si je dis non, je fais quoi? Je peux quitter, du coup? Je peux rester dans le rêve? Alors, juste 3 secondes. Oui, pour l'instant.
En fait, j'aimerais juste récupérer au moins le C et aller voir du côté des pinwheels avant de faire ça, si c'est possible, parce que je soupçonne que du coup ça c'est la fin. On va aller juste vérifier un truc. Et de toute façon, il s'est pas encore sacrifié, donc ça a l'air bon. Je cherche des choses qui ne devraient pas être là. Hein. Après, ça va être compliqué à revenir. C'est un peu compliqué aussi à se balader ici, j'ai l'impression. J'aurais dû prendre le truc. J'ai l'impression qu'on va se taper là. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, on va revenir en arrière, on va récupérer le truc en avant. C'est pas grave. Parce que ça, c'est le... ça, c'est un boss. Hein. Ça, c'est un boss fight. Ça se sent. Donc, j'avais pas fait ce boss du Deep Well. J'avais fait le boss du casino et pas du Deep Well. C'est ça en fait l'histoire. Ok. Bon, allez, on va aller prendre le challenge. On va voir ce que ça augmente. J'espère que ça va pas me ramener en tant que Nino. On croise les doigts. De toute façon, j'ai sauvegardé auprès de Marie avant, donc... Ok. On va voir si on peut... Oui. Est-ce qu'on peut, du côté du rêve, accepter qu'on est Nino? Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui est compliqué. D'après ce que j'ai compris, pour Omori. Vu qu'il se détache et qu'il a une nouvelle identité, je pense que ça doit être compliqué. Donc on est vraiment à la fin. J'espère qu'on aura le temps. Toujours un pomme, oui. Gagner 52 vies, ok, pas mal. Ah, on est bourrin, ouais. Merci. Ok. Tout ça pour ça, peut-être qu'on aurait peut-être pas dû, hein, mais c'est pas grave. On continue. 52 cœurs pour Omori, ça permettrait, si jamais on se retrouve face à quelqu'un de plus bourrin que les boulangers, mais les boulangers étaient déjà pas mal, je crois. Bon, on va voir. En fait, c'est marrant parce que ça, c'est normalement, c'est censé être l'avant-dernier dernière partie. Et la dernière partie, c'est censé être le boulanger. Mais ça, c'est quoi, du coup? On se bat contre nos peurs ou pas? Bonjour. Un son bizarre a pris place en vous. Vous avez le pouvoir de changer le futur. Est-ce que vous allez le faire? Et voilà. Le futur du passé. On sauvegarde. Si j'avais vu la sauvegarde, peut-être qu'on serait pas revenu en arrière. C'est pas grave. Ah bah la baleine, elle est là. Donc à l'intérieur de la baleine, il y a ma lettre. Ok. Bonjour. Bonjour les amis. Je m'appelle Humphrey la baleine. Qu'est-ce que vous ramène dans ma petite cave? Oh salut mon frère, on cherche juste quelqu'un. Désolé de t'embêter. Oh non, pas du tout, j'adore les visiteurs. À vrai dire, vous êtes le deuxième groupe à me visiter aujourd'hui. La première, c'était juste une fille. Une fille très très... Qui gueule beaucoup avec un grand arc rouge. D'accord, on l'a jamais vu. On dirait quelqu'un qu'on connaît. Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qu'on connaît. Est-ce que ce ne serait pas Sweetheart? Où elle est? Elle est dans sa bouche. On va pas se taper contre Sweetheart encore, s'il vous plaît. Où elle est? Où elle est? Elle est sur le bout de ma langue. Niac. C'est une blague. Elle est à l'intérieur, vous voyez. À l'intérieur de où? Oui, à l'intérieur. Elle est en train de visiter mes différents invités.
Vu que je suis aussi une maison d'une de sorcière de l'eau. De l'océan. On passe du temps ensemble, on discute, on rigole. C'est marrant. On parle des antiquités du jour. Il y en a qui sont très suffisamment gentils pour me rapporter à manger. C'est même plus facile pour elles. Vu qu'elles sont plus proches de mon ventre en plus. À vrai dire, je pense que j'adore avoir des visiteurs. Eh bien, allez, je vous donne. Je vous prends le pont. Je fais le pont. Allez, hop! Pardon. Le premier invité, on dirait qu'elle m'a causé une petite indigestion. Ah, on y va? Tu tires la langue ou pas? Me. Ok. Ah, ça, c'est par contre, on n'avait pas vu du tout. Hein. Bien fait de revenir ici. Je précise hein, que je regarde pas la soluce. Le seul moment où j'ai regardé la soluce, c'était pour l'homme en feu. Il y a un petit pont et tout. Un frère a un grand ventre hein, quand même. Ça doit être facile de se perdre. J'imagine que si on crie écho. Écho, écho. Ah, d'où ça vient? Welcome to my à l'intérieur de ma maison. Et vous êtes surpris, n'est-ce pas? Je suis toujours ici, je suis à l'intérieur et partout autour de vous. Ça fait peur. Je suis partout. J'ai l'impression d'être dans le corps de Tetsuo. Ah, c'est cool, mon frère. J'espère que je pourrai faire ça un jour. C'est un peu dégueulasse. Waouh, c'est dur. Il y a plusieurs manières d'y aller. Par où on devrait passer? En plus, on peut descendre. Gauche, droite, haut. Partout. Ok, qu'importe. C'est toujours devant. On prend le plus facile. Ok. Bon, bah, allez. Toujours devant, y aller. Non. 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 Ah, c'est ton accès de Humphrey, aka Slime Girls, Lair. Strictly speaking, alors, en parlant directement, je suppose que je suis un ascenseur. Mais vous devez prendre un rendez-vous et attendre votre tour. So, il faut qu'on trouve la carte Slimmy. Ok, super, faut qu'on trouve la carte. Donc la carte elle est pas là, elle est ni là et ni là. Donc on reprend notre petit bateau. Ah bah d'accord. Les papiers là, on peut pas s'arrêter. Non, on doit s'arrêter aux endroits spécifiques, j'imagine. Ouais. Ok, on peut pas passer par là. Bon bah on va tout droit hein. On dirait un travail pour Aubrey. Salut Zenkoi. Comment vas-tu? Monsieur Bird. Ah ça va se remettre. Donc ok. Donc là c'est là où on doit aller. Have you I don't know if you speak English or just say hello for me, but I'm French, so I speak French, and maybe a little bit of England, and of English. I can understand you if you want. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? Donc il faut tabasser du truc, donc on va garder au vrai. Ah, mais c'est super! Ça fait très peur, mais ok. Allez, hop, on y va.
Alors, un livre en langage que je ne peux lire. Ok. Salut, c'est la Marina. C'est Marina ici. Non, c'est la Marina et elle n'est pas occupée. Marina ne voit personne. Mais si tu as l'habitude de prendre un peu de... si tu aimes l'exposition, sois contente de te traîner dans une cage et attendre pour la première prochaine expérience. Tu sauras quand les cris commenceront. C'est sympa. Je n'ai pas envie d'être là. On continue. Ah, je suis Marina. La première expérience de Marina. Elle m'a fait à partir de... Ah, c'est toutes les expériences. C'est Marina qui l'a fait. De sable et de fruits. Quand elle était un enfant. Je l'ai fait un guélie. On va pète. Ok. Goût. Ok. Imagine que Marina, c'est celle qui a fait toutes les bestioles du monde. Alors, c'est la deuxième expérience de Marina. Donc, elle a fait avec de la pierre et du gadou quand elle était un bébé. On va pète, hein. Petting is cool. Alors, du coup, pet, c'est quand tu fais des caresses pour aller les animaux. Mais il préfère les uncheck. Bah oui, je comprends. On va faire un poke. Poke, c'est quand tu fais... Poking is cool, but I like high five better. Ouais, il aime bien utiliser ses mains, quoi. Alors, voyons voir le combat. Donc ça doit être notre attaque... Sprout Maul. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. C'est que du coup... les expérimentations, c'est les créatures du monde. Okay. C'est bien, on a de la thune, pas beaucoup, mais on a. Bon, on va chercher toujours les trucs. Ah, le piège! C'était une mimique! Ah, faut que je prenne ça! C'est bien ça! On est trop puissant pour ce mimique. Mais c'est vrai que c'est le monde à mimique. On est dans Dark Souls là. Donc là, ça va être une mimique aussi, j'imagine. Non. Bon, de toute façon, c'est toujours tout droit, notre baleine à dire. Et après, je pense qu'on devrait... On va revenir en arrière. La musique est bien. On va faire les enchaînements avec Aubrey. Dead. Même ça. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais il y a un avertissement ici pour toi aussi, jeune feuille. Je l'ai pas mis en anglais, j'aurais dû le mettre. La musique est archi bien. Donc c'est la troisième expérience de Marina. On va pète, hein. Pourquoi tu fais ça? Montrez-vous.
Là, il y a des écritures. Des plans pour une expérimentation réussie. Ok. Marie, vous ici. C'est étrange. De la gélatine. C'est marrant, ça. La blague de... T'es dans un monde où je l'ai... T'es dans l'intérieur d'un corps et... C'est pas... Ok. Les cages, j'imagine, on peut pas aller dans l'eau. Non. Les cages, j'imagine, on peut pas sauter dessus. Donc, ok, c'est par là qu'on doit aller. Hein, j'imagine. Ah, il faut que je tape sur quelque chose. C'est où que je tape? C'est où que je tape pour pouvoir passer de l'autre côté? Là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a un marteau. Là-bas. Ah, c'est peut-être avec... Avec quel? Non. Bah, comment je fais? Passer là-bas. Bon, faudrait que je revienne en arrière, du coup. Je continue en avant. Parce que Cal, il peut lancer des trucs, mais le problème c'est qu'il lance à des endroits où c'est des promontoires. Des endroits où on peut être un peu en hauteur. Bon. On essaie. Hein. On revient en arrière. Peut-être qu'il faut rentrer dans le truc pour être expérimenté. Bon, on a oublié de faire un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait tout ce qui était nécessaire. Hein. Ah non, on n'est pas passé par là. Bon, on va taper. Il y avait un truc ici. Ok, bon, bah, on est un peu bloqué là, quand qu'on fait. Parce qu'en fait, on pourrait pousser ça peut-être, mais je sais pas qui c'est. Il pousse, héros? Héros, il fait le charisme, donc ça n'a rien à voir. Par contre... Omori... Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Comment on pourrait passer ce truc-là? Les skills, on peut pas les utiliser là, de toute façon, ça sert à rien. Omori coupe. Normalement, ça devrait être Kel. Sauf que là, il lance rien. Ah, peut-être qu'il faut couper les arbres. Bon, attendez, on va couper les arbres. On va voir. Est-ce que les arbres sont coupables? Non. Non. Parce qu'ils sont tapables. Non. On va discuter avec Marie, hein. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Salut, Omori. Je sais que à quoi tu penses. Tu penses à toi-même. Waouh. Ma soeur est dans une place un peu bizarre pour un pique-nique, mais laisse-moi dire. C'est recommandé de prendre des pique-niques. C'est peut-être recommandé de prendre des pique-niques dans des places un peu normales, comme des forêts ou un site de camping. Mais qu'est-ce qui est marrant dans ça? Et si tu veux apprendre l'anatomie d'une baleine pendant que tu manges, hein?
réfléchis, ouvre ton esprit, Omori, je dois montrer l'exemple pour mes embêtants petits frères. D'accord, mais comment qu'on fait? Ça change rien en fait, sur le principe. Comment qu'on fait? Oui. Bon, ça c'est pour la fête de... Oui, bon, ça, ok, c'est bon. Là, c'est pour l'arme. Oui, bon, ça, c'est... En fait, elle fait que rappeler ce qu'on est censé chercher. Ok. Mais je capte pas. On va remanger de la gélatine, on a peut-être perdu de la vie. Je ne sais pas où on pourrait passer là, par contre. Puisque je... J'ai pas l'impression que Kel se mette dans une position de lancer quelque part. Donc on va checker tout. Un ancien bureau. Si je prenais héros pour discuter avec les créatures peut-être. Submarina. Hein. Rubber glove, and she was just a toddler, donc elle est un enfant. Un poke. Quoi? Ça c'est bizarre, mais bon, pas tant que ça. On peut pas lire. Alors, des outils de recherche. On peut pas, toujours pas traverser, c'est embêtant. En fait, on n'a rien vu pour pouvoir taper un endroit, c'est ça qui me... Je me pose la question de où ça pourrait être. Peut-être tout au bout, de ce côté-là. Je peux voir. Non, même pas. Ah, peut-être qu'il faut que je tape ça. Ouais, c'est ça. Alors, à aucun moment ils nous ont appris à le faire, hein. C'est-à-dire qu'on savait pas qu'on devait taper autre chose que les réminiscences de bibitales de Humphrey, et maintenant c'est devenu aussi les ponts, d'accord. J'aurais dû m'en douter, j'imagine. Ouais, on avance, vite, s'il vous plaît. On a toujours la forêt à aller voir. Basile. Ah, il s'est suicidé. Oh. Triste. Triste de fou. Triste incroyablement. Incroyable, triste. Et là, et par contre, il nous faut Kel. Parce que là, on va être en possibilité de le lancer, je pense. Non? Ah bah non. Attends. La quatrième expérience de Marina, elle m'a fait avec des pommes sales quand elle était juste enfant. On répète. Hein. Bzzz. Oh. Yeah. Bzzz. Derrière la tête. Ok. Allez, on fait un enchaînement avec Aubrey, comme ça c'est fini. On va en bas d'abord. On va taper ce truc. M'en douter un peu. Allez, on continue. Ah,
cinquième expérience, elle m'a fait de cartes et de bonbons. Bah on me pète, hein. Mmh. Ça fait du bien d'être reconnu. Sixième expérience, ballon et magie. Quand elle était étudiante. Ado plutôt. D'accord. S'enfuit. Ah oui, parce que j'ai frotté le ballon. Oui, c'est pas logique. Septième expérimentation. Ça devient bizarre. De d'oiseaux. Ok. On est gentil avec tous les oiseaux. Ok. Ça c'est le... Ok. 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 Bon, alors. Là ça sert à rien que je tape, à part si c'est pour revenir en arrière, donc parce que sinon je peux pas avancer. Imagine qu'on est arrivé. Huitième expérience. Avec de la mousse et des pousses de d'haricots quand elle était étudiante. On va pète. Attends. Excuse-moi, je suis en train de m'occuper de. Nya. J'ai eu un achèvement de goutte d'eau. Vous avez vu. Plus de 35 heures hein, au final. Ok, bon, allez, c'est parti. Hein. J'ai l'impression qu'en frais est pas très sympa avec nous. Ah, on ralentit pourquoi. Eh, regardez, c'est une couronne de fleurs. Quoi? Il y a Basile? Oh non, toutes les fleurs sont fanées. Mais ça ressemble à quelque chose qu'on connaît. Je me demande à qui ça appartient. Oui. Elle est en mauvais état. Je ne pense pas que personne ne voudrait prendre ça. Oui, peut-être que tu as raison. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? C'est bon, t'as entendu Héro, il a dit que de toute façon c'était fané. Mais ça devait appartenir à quelqu'un. Le taper dans ce... Et faire tomber de la falaise, c'est un peu méchant. Mais pourquoi les fleurs pour ça pousse. Ok, d'accord, calmez-vous tous les deux. Quel. Pardonne à Aubrey. Enfin, demande le pardon à Aubrey. Oui, désolé, pardon Aubrey. Apologie. Alors, l'excuse n'est pas acceptée. C'est bien. C'est bien, ouais. Bon, nous, on est là ici juste pour pouvoir traverser. Hein. Si vous voulez vous taper, on se retrouve à la fin. Pas le temps. On a peut-être trouvé Basile, donc on n'a pas le temps là. Allez hop. Merci Aubrey de nous ouvrir la voie quand même. Hein. C'est très gentil de ta part. Oh le grand chat. C'est vraiment, on va vraiment jusqu'au tréfond de l'inconscient de Nino, là. Compliqué. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marina, 667e expérience. Après, la 666e. Attention, ne pas taper sur la classe. Mais attends, sur la classe, comment on va taper? Attends, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Ah. On s'est fait manger là?
Ok. Fois 8. L'impression qu'il faut aller vite. Oui, c'est ça, faut aller vite. Ah, les histoires de temps comme ça. Merci d'avoir tagué, au vrai. Allez, hop. C'est quoi qu'il faut taper demain? Bon. C'est pas où qu'on passe? Nulle part. Ah! Attendez. Excusez-moi, hein. Ah, c'était là, celle d'en bas. Celle d'en bas, là. Celle qui est cachée en bas. J'ai tapé toutes celles d'en haut, mais elles servent à rien. Donc, du coup, celle d'en bas, elle doit être servie à quelque chose. Allez, hop, on y va. Voilà. Écrit quoi, là? Profite, on tape sur toi. Ah non, ça doit être ça. Non! En fait, faut que je puisse l'aiguiller aussi un peu, donc ok, d'accord. Je savais pas qu'il allait être méchant, le... Mais c'est pas grave. On sait que c'est pas la première, parce que la première bloque. Et sans doute celles qui sont les plus cachées. Ouais, donc faut l'aiguiller. Ça peut être le... Ah, il est toujours. On reviendra tout à l'heure. C'était juste ça? Bon. Ah, du coup, il y a plus les pastèques. J'espère que c'était pas dedans, hein, qu'il y avait les trucs. Hein. Je pense pas. C'est la sœur de Sweeter. Cette place est dégueu. Qu'est-ce que tu comptes faire ici? Ce n'est pas ton problème, madame. Asseyez-vous et relaxez-vous. Je me sens nauséeuse. Oups. Eh bien, je pense que ça sera suffisant. Ok, c'est fini. Voici madame, votre parfait servant. Dites bonjour à votre âme-sœur. Est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous me prenez pourquoi? Je suis dix fois, 100 fois plus belle que ça. Vous me désappointez, quoi. Je me barre. Eh, qu'est-ce que... Vous pouvez pas vous barrer comme ça? Où est mon argent? Ah, d'accord. Ok. Donc
Donc là on a appris un peu plus, mais on doit se barrer d'ici parce qu'on peut pas descendre. Ok. C'était pas le bon chemin. Toujours pas. Bon. On va aller par là. Hein. Ah, je pensais que ça allait être plus court, mais non, pas du tout. C'est un donjon en soi, quoi. Du poisson. Regardez, vous pensez qu'on n'est pas suffisamment fort pour pouvoir se battre contre le courant? Regardez. Ah, apparemment pas lui. Eh, c'est juste la sélection naturelle, ce qui n'existe pas. Donc quoi? J'ai une idée. Enfin, ce qui n'existe pas. Lisez quoi. La suite de la déconstruction de Darwin. On peut utiliser de... On peut les utiliser comme une sorte de pont. Eh, j'étais supposé le dire. Ok, bon, on va aller chercher tous les autres. Salut! Ouais, on va sauvegarder parce qu'apparemment, il faut le faire 3 fois. 3 fois pour ouvrir toutes les portes, j'imagine. Ça a l'air compliqué. Bon. Je pensais qu'on était très proche de la fin, mais non. Bonjour. On va aller chercher tout le monde là. Je suis du côté de Médusa, le secteur de Médusa. On est les meilleurs que les meilleurs, ok. Médusa nous traite bien. Un peu comme Marina et Molly. Oh, tiens, il y a un truc pour qu'elle. Ok. Et de l'autre côté, il y a un truc, quoi. Non, c'était juste ça. Bah, très bien. On a fait la moitié du travail. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace. J'imagine que les bulles vont nous embêter, donc on va essayer d'éviter les bulles. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Oui, je vais y aller, ok. Merci, c'est cool. On avait un là. Là, tu veux nous rejoindre? Oui, bien sûr, j'adore les ponts. Hey, tu veux nous rejoindre? Oui, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce qu'on a besoin d'aller ailleurs? On va prendre ça et c'est bon. Ah, c'était un mimique. Ah, super. Vas-y. Die. Ah, il a pris de la vie. J'ai même pas pour rien. Merci, mais Water Mimic, je suppose que c'est toi. Hein. Ah, je suis retombé sur toi. Dommage. Tu vas mourir plus vite que je ne pense.
ça a l'air bien, on va aller là. Hein. Ah, on pourrait aller là, on va. Là-bas. Récupérer le mimique. Non, je suis derrière, ça. Ok. Et en haut, il y avait un truc, non. Donc là, c'est Médusa, normalement. Oh, ça a l'air d'être plein de plantes, ici. Basil. Basil ? C'est le nom de la plante, là. Ah, c'est du basilic. Oh, c'est mignon. Ça ramène, ça me rappelle quelque chose. Je peux pas me rappeler quoi. Bah, c'est un peu la même coupe que Basil, hein, j'ai envie de dire. La plante utilisée pour la recherche. Et ça, c'est un zombie. C'est un gélatineux. Okay. Slime burning. J'ai un peu peur de la boule fluorescente. Qu'est-ce que c'est ? Snot bubble, c'est une bulle de bave. Oui, il y a un zoom. Eh bien écoute, si tu veux attaquer, attaque. Prends les coups. Ça fait mal, hein. Ça a fait mal à moi. Mais il est mort. Très bien. 43. On va rajouter, taper quelque chose, j'imagine. Ok, il est descendu. On le retrouvera plus tard. Ah. Ça veut dire, ça dit que les expérimentations de Médusa ont 40 fois plus. 47 fois plus. 44 divisé par 100. Ok, merci. Je fais des maths. Écoute, Slime Bunny. Je vais pas parler avec tous les intellos, hein. On va juste prendre ce qu'on a besoin de prendre. Dynamite, très efficace la dynamite. Ça fait archi mal en fait. Bon allez, on va faire de la vie avec avec Hero. On devrait le faire en jeu, mais bon, on va d'abord sauvegarder ce qu'on peut. Sinon, je peux cook direct là. Ouais, ouais. Mais je peux le faire sur moi ou pas?
Voilà. Tout le monde est à 100. Parce qu'il est sur bourrin lui aussi. Un globe. Ah, on peut taper avec un globe. Équipe. C'est pas toi. C'est pas toi. Ah, ça doit être lui. 1000. Waouh. Un critique, ça fait 1000. C'est très violent. Ah, par contre, ça, la vitesse, ça baisse. Bon, je sais pas. On va essayer. C'est du critique. Donc, il y a 1000. À chaque fois, je fais constamment du critique, mais c'est toujours 100. Ok. Bon, là, il y a l'air d'avoir pas grand chose. Ok, ok. Bon, c'est sûr, il n'y a pas la boule, donc ça devrait aller. La boule de mort, là. Tout le tour, hein. C'est bon, on peut se barrer. Ok. Tu nous retrouves? Oui, le bridge. Oui, bah c'est bien. À quel moment je mange? Tu veux nous rejoindre? Ah, ouais, ok, j'arrive premier. Bon, c'est bon, je pense. On peut se barrer, nous. On va se poser le dernier. Voilà. Hop, hop, hop. On va récupérer de la vie. Sauvegarder. Traverser. Prendre le bateau. Aller voir la mimique. Par mimique, très bien. Monter. Éviter tout ce qui est... Oui. Ah mais les bulles... Ah c'est vraiment des bulles. Bon alors attendez, je vais juste fermer la porte 3 secondes. Pardon, j'ai dit tout est en place. Ah, j'ai perdu. Bon, ça devrait être bon. Je disais, c'est le chat, s'il se réveille, au moins il est en train de faire. Très violent, moi je trouve, leur histoire. Pourquoi le fil est court, hein? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. On va coller le mur, hein. Le mur a l'air safe. Je sais même pas par où aller. Bon, on va aller par là.
Wow, c'est moi ou ça augmente? Ouh là là. J'ai l'impression que ça arrive par vague. Continue, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pour quelle? C'est bon. Ah, faut faire tomber tout le monde. Bon, après. Toi d'abord. Pas compris. Faut les transformer ou... Ah, c'est un jeu, ok. Ok, fun, on a marqué. On va aller là, du coup. Ça y est, lui, il est bloqué là. Je comprends pas. On est censé les transformer en quoi là? En ça? La différence entre les deux watermelons là. Il y a un truc qui est bizarre, non? Entre les deux pastèques. Onion ring. Wall pizza. Ok. Eh bien, c'était fun. Comme ils l'ont dit. Fun. On va parler avec les gens. Bonjour. Ok, donc ils sont en train de jouer aux cartes. Je lis un livre sur l'air conditionné. C'est très informatif. Vous avez l'air bien posé. J'essaie de me reposer, mais je peux pas vraiment le faire. Même si je lis un truc sur l'air conditionné, là, très bien. Voilà, donc son travail, c'est de garder son physique. Eh, tiens, mais bonjour. On s'est déjà vu, non? Il a dit qu'est-ce que quelle belle piscine. Ok. Donc là on descend. Et là on descend aussi. Bon, on va descendre ici. On peut pas monter là, de toute façon. Oui. Ah, c'était peut-être plus rapide de l'autre côté. Ah, la lettre, elle était... Bon, de toute façon, on n'a pas besoin, c'est le... on est d'accord que c'est pas la bonne lettre qu'on a besoin. Attendez, je vérifie. C'est où? C'est quoi la touche, déjà? Welcome to Black Space. Non, nous, on n'a pas besoin de cette ici. Et c'est laquelle qu'on est censé trouver ici d'ailleurs? C'est le W, non? C'est le... Ouais, c'est le W. Donc là, il y avait U. Mais bon... C'était pas celle qu'on en avait besoin, quoi. Là, on pourrait remonter si on veut se taper le U. Mais le problème, c'est que le U, il va nous mettre encore dans le pendu, là. Pousser lui.
Ah bah non, en fait, faut repasser. Bon, vas-y, fais notre... Ok, on revient. J'en ai envoyé pas mal déjà, donc ça devrait être bon, on va voir. Ah, tu veux pas faire le pont? Oui, fais le pont. Ok, je suis déjà là. La prochaine fois, on essaiera d'aller à droite au lieu d'aller à gauche. C'est un bridge, c'est un expert de construction de ponts, c'est rigolo. Il en reste 3. Du coup, j'imagine que c'est les 3 derniers. En fait. Et là, ça remonte, c'est ça? Ok. Je voyais pas la différence hein, en étant en haut. J'avoue que je l'ai fait encore au pif. Et c'était bon sens. Donc cette fois-ci, on passe par là. Par là. Ah, c'est pas le bon. Bon, après on a ça. L'appendice, ok. Je m'en attendais pas à ce qu'il reste des mondes quoi entier. C'est un truc incroyable ce jeu. Il est long. Hein. Par contre j'ai pris mon temps. Ça se voit là par contre. Hein, j'ai pris mon temps. Donc là c'était par là d'abord et après il fallait que j'aille dans l'autre sens. Parce que là j'étais allé en bas, maintenant faut que j'aille là. C'est ça. Ouais. Un, deux, normalement il y en a 3. Ouais, et j'ai pas pris le U parce que j'ai pas besoin du U en fait. Et il devrait pas me forcer à le prendre de toute façon, donc... J'apprécierais vraiment si vous essayez de finir ça rapidement. Genre, c'est juste que j'ai un peu le... Ah, il a le mal de mer. Voilà, on a fini de toute façon, on gagne le 1-3. Ah, c'est un... Lui, il est expert en... Ou elle est un expert en ascenseur. Ok. Humphrey? Ok. Ah, donc ça c'était Humphrey lui. Ok. Ah c'est aussi Humphrey. Ah c'est marrant. Du coup les... je suppose que la base c'est tous des Humphrey et après... Et après c'est la différence. Pas de lapin s'il vous plaît. On n'est pas revenu à un endroit où on a déjà vu ça? Non, c'est la fin. Ah, là-bas. Confetti. On a trouvé des appendices aussi. J'imagine que c'est des objets. Ouais, on va checker. J'ai pas envie de discuter avec eux. Spécifiquement. J'imagine qu'ils sont très rigolos. Mais on essaie d'avancer. Sweet Heart. Ah, donc ça, c'est Médusa, du coup. Donc on va peut-être se battre avec les 300 en même temps. Ça va être compliqué. Ça pue ici. Combien de temps ça risque de prendre? Mon nez est très sensible. Ah, vous allez vous habituer à l'odeur. Maintenant, regardez bien. Je travaille. Et c'est fini, finalement. Hello, mon servant. Réveille-toi. Ne touchez pas la glace. Vous allez casser l'expérimentation. Ça fait un cœur en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est plus puissante que Scooter, c'est ça? Moi.
mon mot, cette expérimentation a été meilleure que ce que je pensais. Regardez. Les résultats sont parfaits. C'est une version parfaite de vous-même. Je l'aime pas. Mais quoi? J'ai pas entendu. Elle est tout ce que vous avez demandé. Oui. Elle est trop parfaite. Mais je vois que vous ne l'avez pas compris. Vous n'êtes juste qu'une mytho. C'était vraiment une perte de temps. Je me barre. Je redémarre de votre non-sens. Donc, client ou pas, vous m'avez cassé la tête. Vous avez appris à parler comme ça. Maintenant, excusez-moi. J'ai du temps et j'ai... C'était une perte d'énergie. J'ai autre chose à faire. Ne vous cassez pas devant moi. Je suis la seule qui doit me barrer. Mais on peut rien faire avec le... Elle est là, mais c'est tout. Hein. J'imagine qu'on reviendra plus tard, mais on doit d'abord aller dans l'autre sens. Et la carte a été à gauche dès le début. Mince. J'espère que c'est la version plus simplifiée. Déjà, c'est pas vert, là, c'est bleu. Ah, c'est des télétransporteurs. Bon, ok. Super, ça va aller vite. Technologie, ça va être un robot. Oh, salut Marina. Est-ce que tu es ici? T'es en train d'essayer de voler des choses? Oh, bon, de toute façon, c'est pas le moment. J'ai préparé quelque chose d'extra spécial pour tout aujourd'hui. Et comme tu sais, je suis quelqu'un d'occupé, mais hélas, vous êtes ma sœur. Je vais vous accorder la possibilité d'entrer dans cette salle. Mais uniquement si t'arrives à résoudre quelque chose. On se retrouve tout à l'heure. Si tu es toujours vivant. Ok. Ah. C'est une bombe. Puzzle, mémorisation, difficulté hard. On va essayer. Rouge, bleu, blanc, vert. Rouge. Bleu, blanc, vert. D'abord, on faut aller dans rouge, j'imagine. Il y a du temps. Bleu. Un, deux, trois, c'est ça? Je ne sais pas si ça a fonctionné. Ouais, je me demandais si c'était très beau. Bon, ça a pas l'air d'être ça. Ils ont dit que vous avez grandi. Est-ce qu'on a besoin d'aide? Non. J'ai du mal à saisir du coup ce qui est écrit parce que là on y va. C'est la version dure. On regarde ça. Oui, c'est ça, c'est 1, 2, 3. Faut que je place les trucs.
Non. J'ai pas l'impression. Parce que ça ressemblait à des vers, mais... d'écran 3. On continue hein. Ah. J'imagine que c'était... Attends, il va nous dire un truc. Ah, enfin une salle sans cascade, ça augmente, ça ramène un peu plus de lumière blanche. C'est parfait pour mon teint. Ok, d'accord, donc la cascade est importante. Donc là, c'est bleu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui est écrit là? Rien. Bon, on continue. Hein? Toujours bleu. Deux. Celle-ci, elle est verte. Trois. C'est rouge. Je capte pas. Donc c'est 1, 2, 3. Et bon, on recommence 1, 2, 3, mais je vois pas en fait quel est le... En fait, peut-être qu'il faudrait faire le premier. On va revenir en haut pour voir si on va essayer. C'est pour essayer de comprendre comment fonctionne le projet. Parce que... J'ai du mal à saisir l'histoire des cascades. Parce que c'est vrai que là, c'est... Ah, peut-être que c'est encore les couleurs aussi, les couleurs de... Ça, c'est blanc. Donc, par exemple, vu que ça, c'est la version dure, les couleurs qui sont données ici, c'est rouge, bleu, vert. Bleu, blanc, vert. Rouge, blanc, vert. Rouge, blanc. Blanc, bleu, vert. Attends, je peux revenir mon verre, mettez. Merci. Plus 3 secondes. Hein. Donc, rouge, bleu. Blanc, vert, rouge, bleu, blanc, vert. Ok. Donc le premier normalement devrait être rouge. On va checker. Sauf que là on est déjà dans bleu. Normalement c'est pas bon. Ça on est à vert. Donc ça fait bleu, bleu, vert. Là on est à rouge. Donc rouge. Et on recommence du coup. Blanc. J'ai du mal à saisir. En fait, il faudrait qu'on tombe pile sur la première, sur rouge. Est-ce qu'on peut faire ça? Bah non, on commence toujours à bleu. Salut, Nibbler. On est en plein puzzle. On va tout couper hein. Ah non mais c'est du coup c'est ah, c'est la combinaison en fait qui nous donne. Le blanc c'est le dernier. Donc c'est deux fois bleu. L'avant-dernier c'est vert. Donc c'est bleu. Rouge. Je crois que c'est vert. Blanc. Le dernier c'est blanc. Ah bah non, c'était pas ça. Game over. On va recommencer du coup. C'est deux fois bleu au début, donc c'est un peu étrange quand même. Donc, ça commence ici. Ça commence pas forcément ici. Donc le premier c'est bleu.
Deuxième. Vert. Donc bleu, vert. Rouge. Et ensuite blanc. Ok. D'accord. Ok. Bleu, vert. C'est, en fait, c'est la fin où je me suis trompé. Bleu. Vert. Rouge. Blanc. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, c'était compliqué sans être compliqué. Il fallait juste prendre son temps. Oupsi, exactement. Mais ça va. C'était le plus dur celui-là. Donc on va faire le plus simple. J'ai rien compris. En fait, c'était les cascades. Puzzle, pattern, easy. Ok. Les cascades qui étaient en fond du truc. Il y avait des couleurs. Ça commence pas avec la première, parce que la première salle, c'est... La première salle, c'est la salle où t'arrives. Donc elle est bleue, et ensuite, ça change. Ok. Donc là, on a des pas. Donc on en a 3, ça fait 9. Donc il y a 9 chiffres à se rappeler. 1, 2, 3, 5, 10, 8, 9. Ok. On va commencer par lui. Ok. Ouh là là, calcul, calcul, calcul. Nibbler, tu es là. J'espère que tu es là. T'es prête ? Il y a un calcul de... Il y a un calcul... Il y a un calcul à faire. J'espère que c'est pas ici. Humphrey to Humphrey, est-ce que vous m'entendez? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez essayé d'éteindre ou de rallumer à propos de notre test sur le tofu? Ok. Les nombres ne sont pas corrects, il dit. On dirait qu'il y a un mauvais calcul. Are quite unexpected, mais fait... Ok, donc là c'est bon. Donc là, il y en a deux. Ensuite, 4. Ensuite, 2. Pour l'instant, bon, peut-être que c'est ça. Donc, elle a eu un problème avec le client Marina. Bon, oui, on a vu. To get actual work done around here. Oui, bon, ils ont du mal à avoir du travail. Mais il y a... Ouais, bah, je suis pas sûr que ce soit ça le calcul. Hein, donc, on va voir. C'est là où sont assignés... ceux qui travaillent au dur, et j'espère que il n'y aura pas que d'eau, l'eau. Là, il y en a un en haut et un en bas. Les calculs sont simples quand tu les prends de cette manière-là. Ok. Donc si je multiplie le résultat, ce sera l'infini. Ensuite, je divise par 0 et que je regarde 1, ça me ramènerait à un nombre imaginaire. Donc ça va commencer là, je pense. Alors là... avec sweep 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 3, peut-être que c'est ça. Ah bah tiens, là il y a un 1. Bonjour, est-ce que vous voulez essayer quelque chose de cool? Cette machine peut performer une téléportation à distance. Alors regardons bien où il va se poser. Donc, c'est peut-être pas un calcul. Alors, on va faire un calcul. Le premier en haut à gauche, c'est le 1. Ensuite, c'est 2 au milieu, 3 à droite. Et on va faire comme ça. C'est en lecture occidentale. Donc là, il est à 4. Donc le 1 est à 4. Ok. Compris ton... Ah oui, t'as été en train de noter les trucs. Ok, montre-nous l'expérience. Donc là, le 2. Le 2 est à... 8. Ok.
1, 4, 2 à 8. Qu'est-ce que tu veux vous regarder? Est-ce que vous voyez que je pas que je suis occupé? Ouais, je vais vous... J'ai une idée. Attendez, j'ai une deuxième idée. Est-ce que quelqu'un peut courir sur les plaques de métal pour moi? Je veux essayer un truc. Pourquoi vous ne discutez pas entre vous? On va envoyer quelle? Je n'ai pas une bonne idée de ça. On envoie quelle? Alors vas-y. Quelle tu vas choisir quoi? C'est à moi de bouger ou... Ah, c'est à moi de bouger. Oh. Donc 3 égale 12, pourquoi 12? Pourquoi t'as écrit 3 égale 12? On est en train de le faire le 3 là. Pas compris. Donc ça peut pas être le 4. Ça peut pas... On va faire un truc simple, on va refaire 8. Ah! Pourquoi 12? Bah ouais, mais non, il n'y a pas 12, il y a 9. Il y a 9 cases, Nibbler. Bon, je crois savoir laquelle est safe. Hein, du coup. Donc 1, 4, 2, 8, 3, 6. Je sais pas pourquoi t'as calculé comme ça. Pourquoi x4? Pas compris. C'est bon, hein? Y a pas un, le pattern, il est pas aussi facile, aussi simple. Hein. C'est les deux trucs au pif. Ah, je savais qu'il y avait un truc qui était cassé. Vous avez vraiment volontairement risqué votre vie. Maintenant, je dois tout régler. Ok. Donc, 3, 6. Avec tous tes calculs, c'est improbable. Ni pleure. Je sais pas pourquoi t'as multiplié par 4. Ah oui, parce que c'était une première. Cette première dalle, c'était 4. Ok, j'ai compris. Ah, bonjour. Après plusieurs mois et plusieurs mois de travail. J'ai réussi à créer le premier Humphrey machine hologramme. Ok. Est-ce que vous voulez voir la vraie? Ok, vas-y. Je ne peux pas être plus fier. Alors, le 4. Le 4, c'est 2. Le 4, c'est 2. Ok, alors du coup, 1, 4, 2, 8, 3, 6, c'est ça? Ok, on croit en toi. Donc, c'est ça? On rappelle plus déjà. 1, 4, on a dit. 2, 8, 3, 6. Ah, je me suis trompé. Faut que je reste à un endroit? Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune faute confiance. Ah, c'est chacun son truc. Peut-être. Bah non. 1, 4. 2, 8. Je comprends pas. Il se passait quoi là, hein? 4, 2, 8, 3, 6. Je l'avais pas fait bien au premier dé, je crois. C'est pour ça. Ok. Bon, on finit ça, on finit ce monde et après c'est fini. Parce que j'ai l'impression qu'on en a encore pour 10 heures. Ça me fatigue, d'avance. Ravi, bravo, ouais. Attendez, je prends de l'eau. Où est mon eau? Allez, là.
Oh, c'est un jeu. Ouais, tout de suite, hein. On revient. Marie qui est toujours au bon endroit, remarque. Ah non, il y a les robots que ce chat encore. Eh hey, fais travailler ta magie, héros. Salut, convoyeur bot. Mes compagnons et moi, on demande ton assistance afin de changer les directions des convoyeurs. Est-ce que tu, toi et tes amis, pourraient nous aider? Bonne personne. Lost. C'est étrange, ça a marché avant. Ne sois pas déprimé, héros. C'est peut-être qu'il a pas tous les problèmes. Il a des problèmes de d'engrenage. Est-ce que tu peux dire ça plus fort? Maintenant qu'on est ici. Est-ce que tu peux dire ça plus fort? Il va s'énerver contre nous. Ah mince. Ça ne changera rien, non? Ah, rude personne. Ah, just like Molly. Ah, faut juste être méchant. Ok. Ok, je ne crois pas que ça ait marché. Qu'est-ce que je te disais? Regarde, je suis plutôt cool. Je suis plutôt bon en charme aussi. Mailbox. Ok. Allez, sorti. Ah non, ils nous attaquent pas en fait, hein. Les grands trucs. Ah non, c'est un mimique. Ah, il a tué direct le... Mais pourquoi on a pas de vie, là? Il s'est passé quoi? Pourquoi on avait pas de vie? Il y a un truc qui s'est passé que j'ai pas capté. Ah, c'est à cause de l'explosion. L'explosion nous a tués et du coup, en fait, on n'a jamais pu récupérer nos vies. Donc depuis tout à l'heure, je joue avec sans vie. Non, c'est pas ça. Mais non. C'était quoi qu'il avait déjà? Ça? Les bunny ears. Non, la Daisy. Je sais même plus. Ah bah le inner tube, ça peut servir, ça. Le truc qu'il avait besoin. Le truc un peu... Oignon ring. Ah, c'est pas mal l'oignon ring. Bon, c'est pas ça du tout que je voulais faire à la base. Je voulais utiliser ses skills à Hiro. Cook, fais-nous à manger. Pour toi, pour lui, pour elle, pour elle. Pour lui. Hop, c'est bon. On a toute nos vies. Ah, donc c'est pour ça qu'il nous tapait pas parce qu'on était à 1. Ah, la bonne technique. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû rester à 1. On est vraiment trop puissant. L'histoire des boulangers, en fait, on a vraiment traversé le jeu à la fin. Ok. Bon, c'est cool, ça. Ah bah, tant mieux. On est au bon endroit. On a du travail à faire. Trop bien. Ok. Oh, c'est nous. Ah, regardez, une caméra qui nous prend en vidéo. Dites bonjour. Waouh, on est trop mignons. J'ai failli faire un vœu en regardant la caméra. J'ai presque voulu avoir une caméra. Ne t'inquiète pas, on a plein de petites photos, n'est-ce pas? On a des photos de nous? Ou... Mais... Et juste au moment où on s'en rappelle... On oublie... De quoi tu parles, Ken? Quelque chose de spécial à propos de quelqu'un qui vivait avec nous. Parce qu'ils ont perdu la mémoire, hein, Nibbler, t'es pas au courant. Tu es trop, trop bizarre. Ah, c'est pas grave. C'est sans doute rien. Y'a que Omori qui se rappelle des trucs, hein. Enfin, c'est nous, quoi. Allez, on continue. On doit trouver la solution au puzzle. Ok. Donc là, il n'y a pas de sens. Bon, on va couper tout ça.
Coupez les plots. Peut-être un truc que j'ai oublié de faire en appuyant sur le bouton du coup. Non, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'a rien appris de notre truc. Hein. Attendez. On va rien prendre. Le bon... Le gars... Non. C'est un bon truc de checker... avant d'écrire M ou quoi que ce soit d'autre. Qu'il y ait un B, ça peut être vraiment mauvais. Ok. Il y a même la clé de chips, trop bien. Ah oui, donc c'était ça la réponse, c'était la fin. Fallait que je parle avec tout le monde. Donc c'était le truc de B à la place du M et tout. Oh, faut que je recommence tout. Mais on va te taper, c'est pas grave en fait. Hein. De toute façon, on a déjà tout débloqué, donc en fait, c'est une ligne droite maintenant. Donc celui-là, on va pas essayer, on va le prendre. Ah, on revient au début. Ah, mais c'est vraiment gratuit. Oh là là. Du coup, j'avais bien fait de pas le prendre. C'est un truc qui s'est passé il y a 3 secondes. Il est mort directement aussi. Mais on gagne pas beaucoup de thunes en plus. Ce qui ne sert strictement à rien. Allez, on continue. Allez. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc faut discuter avec tous. Alors. Ah lui il a écrit. Ah mais c'est derrière son dos. Hein. Ok. Bon, on s'en fiche en du coup. O, B. Putting that I check before writing this M or S, I would have must write in another B. Donc O, Bo. C'est un O. Soit Mobo ou Obom ou Momo. Je sais pas. Ça peut être Momo, hein, parce que c'est... C'est possible qu'il écrit un B aussi sans faire exprès. Bon, on va voir ce qu'il écrit. Obom. C'est sans doute un mot de passe du coup. Yes. Quel mot de passe? Boom. Thank you.
tout. Ah, j'ai des ouvertures sur les côtés aussi hein, avant de sortir. Okay. Bon, on va aller sur les côtés. Hein. On peut pas aller là? C'est en construction, ok. J'avais pas qu'on pouvait... Du pop-edot. Ok, out of order, ok. Eh bien, allez, c'est parti. Et oui. Et donc là, on a la carte. La carte était là, du coup. Depuis combien de temps ça va prendre? J'ai pas toute la journée. On travaille, prendre la patience. Nécessite de la patience, arrête de parler. Chérie, je dois me concentrer. Je crois qu'on va se taper contre les sœurs. Et quoi maintenant? J'ai bientôt fini, darling. J'ai fini. Et à la fin... Ça va être un robot, elle va accepter le robot. Oh, j'espère qu'on va pas se taper contre le robot. Ma grande aversion est complète. Ça, c'est les sœurs de Sweetheart, du coup, j'imagine. Parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Maintenant, pas mon beau robot. Ah bah, en effet, moi, je trouve que... bonne discussion. Ah, il y a marqué Lisa, quoi. Bon. Eh bien, ça a l'air d'être ça. Il doit y avoir un problème de code. Je pense que c'est parce que tu m'as pressé. À la place de l'aimer, maintenant ça doit être programmé à tuer. Ah, ne mets pas sur moi ça. C'est ton robot. Merci. Mes espoirs de trouver l'amour ont été mis en pièces. Tu m'as désempointé. Je me casse. Donc c'est pas mon problème maintenant. Ok. Le robot aussi fait flipper. Ok. Ah, j'ai oublié. Cette fille, elle me doit mon paiement. Je peux la rattraper avant qu'elle parte. On a la carte de l'ascenseur maintenant. Et c'est parti pour l'ascenseur, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Il doit y avoir des activités plutôt rigolotes en bas. Eh bien non, ce n'était pas marrant. C'est un monde en trois dimensions. Voilà, je te donne la carte. Maintenant, on se barre, s'il te plaît. Merci. Yam, yam, yam. Est-ce que tu veux descendre? Oui. S'il te plaît, fais pas le même coup en bas encore. C'est la fin. Oui, il y a la sauvegarde, il y a la vie, donc clairement. Il y a même pas Marie là cette fois-ci. Trop bizarre. C'est la première fois où il y a pas Marie hein, dans un point de sauvegarde. Normalement, elle fait toujours son pique-nique. Je pense que là, on va se taper contre les trois. Les trois inventrices. Créatrices. Allez, 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 on continue. Oh, Sweetheart, j'ai pas envie de... Oh non! Arrêtez-vous ici! Vous ne pouvez pas partir! On veut juste votre paiement, est-ce que vous voyez pas que vous avez énervé Marina? Où est mon argent? Donne-moi mon argent! Sweetheart et les sorcières de la mer. Il n'y a aucun moyen qu'on puisse s'en sortir de ça. Fuyons. Arrêtez-vous. Cher enfant, je vais vous punir. Vu que vous vous trompez. On n'est pas des sorcières. On est des suiveuses de la science. C'est une erreur commune, j'ai peur. Les humains ont tendance à avoir peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, je pense que je crois savoir pourquoi ils nous considèrent comme des sorcières. Pourquoi vous me regardez? Et de plus, on a un plus gros problème sous les mains. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez faire, Sweetheart? Vous nous devez beaucoup, beaucoup de thunes. Ah, comme si les trois pauvres que vous êtes, vous méritez que je vous paye.
Tout ce que je voulais, c'est que vous me trouviez un date. Mais vous avez tous réussi à foirer en trois différentes manières en plus, ce qui est compliqué. Et si vous essayez d'insister pour avoir cette thune, je vais faire en sorte que c'est ses enfants qui payent. Où tu penses aller, mon frère? Arrête là maintenant! Elle a mangé? La baleine, elle a mangé? Salut, je suis ici pour rappeler que on s'est débarrassé de Sweetheart. C'est une bonne chose que tu vous aies demandé. J'avais peur que elle allait rester encore ici. Et ça peut être une surprise pour vous, mais Sweetheart a une balance de zéro argent. Elle a plus de thune. Zéro. Rien. C'est franchement pété, mais... Et puisque je vous le dis, j'ai un peu faim... Elle nous a double crossed, c'est quand tu les arnaques, quoi. Je savais qu'il y avait un problème avec elle. Bon, pas nécessairement. Elle a dit que ses enfants allaient s'occuper des charges. Oh oui, et dans ce cas, elle a définitivement payé son truc. Alors, quelle part de deux on va utiliser? Sois pas une brute, Marina. Je suis sûr que ses enfants pourraient nous payer maintenant. I'm sure the kids will pay us. Ah oui, je pense qu'elle parlait du fait que les enfants allaient payer et pas qu'on allait les laisser vendre. Ok. C'est le bon moment de se faire beaucoup d'atunes. Quoi? D'accord. Je suis curieux. Et combien vous avez sur nous? Combien vous demandez? Alors, du coup, la consultation, les frais initiales, le setup, l'inspection, le service... Bon, c'est de la thune, hein. C'est super H. Donc ça nous ramène à 1 million. 1 million. On a la moitié. On peut payer la moitié, si vous voulez. On fait un prêt sur 10 ans. Ne faites pas ça. Je vous conseille. En fait, j'avais 1 million, je pense, hein. C'est juste que j'ai payé la douane avant. J'aurais peut-être pas dû. Humphrey, ferme les sorties. Allez, c'est parti. Méga tap. Avec méga musique. Alors, bonne chance. Dure journée, les enfants. Maintenant, vous avez marché dans la mauvaise baleine. Quelqu'un doit payer pour tout ça. Et je suis à la recherche désespérément. Plutôt c'est les moments désespérés amènent des moments, des mesures extrêmes, n'est-ce pas les sœurs? Oh, ça a l'air d'être facile à vendre. J'aime bien le mec qui se tait, il a l'air d'être un bon animal domestique, il serait un bon animal domestique. Ne le touchez pas. Laissez-nous partir, vous avez tout faux. On n'a rien fait. Oh, je crois que je l'aime bien celle-ci, Marina. Eh bien, je pense qu'on devrait... On devrait en vendre un seul. Ah oui, d'accord. Laissez-moi. Si vous pouvez pas nous payer, on va vous payer avec vos bras et vos jambes. Quel non. Laissez-moi tomber. Ah, qu'est-ce que c'est? Elle m'a mordu. Bon, comme toi, Marina, c'était juste une petite morsure. Vous avez payé pour ça. Maintenant que tu t'es énervé contre... Que t'as énervé Marina, notre petite proie va nous... Alors, on va vous battre aussi, quoi. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va devoir se taper. Je pense qu'on va se taper, hein. Allez, c'est un combat, allez. Allez, c'est parti. Combat. Ça fait un moment que je me suis pas tapé. Pourquoi une chasse? On dirait qu'ils sont très disciplinés. J'ai l'impression qu'il faut leur apprendre les bonnes manières. Et
Franchement, vous êtes trop. Trop picky, c'est. Vous choisissez trop. Vous voulez pas être vendu. Vous voulez pas être nos animaux. Et en plus. Vous allez vraiment apprendre ce que c'est cet endroit. Bref, ouais, qu'importe, c'est fini pour nous. C'est fini pour vous. Il y a toujours une autre option. Si vous continuez à résister, on va vous laisser aucun choix. J'ai peur que on va juste vous tabasser. Voilà. C'était long hein, pour un début de combat. Les dessins sont toujours bien. Alors, on va utiliser tous les trucs. On va se mettre en sad pour Omori. On va faire un Team Spirit pour Aubrey et Hero. Et on va faire une balle propre directe. On va faire un robot. Voilà. Et du coup, oui, on va faire une attaque. On va faire une attaque normale pour un héros. On va voir comment ça se déroule. Mais normalement, si j'arrive à être bien triste. On va pouvoir faire des trucs. Ah oui, c'est des triples attaques, ok. Alors, du coup, on va sauver un peu lequel. Donc, l'idée, c'est d'utiliser du coup leur. On va essayer d'exploiter leur émotion en étant hyper triste. On va voir déjà si j'ai un gros level de. Et on va faire des attaques de map de groupe. On va faire une attaque en map. On va voir comment ça se passe. Et après, elles ont le même point de vue ensemble. Donc déjà, c'est pas mal. Ils ont jeté une bouteille. Ah. Ah, je suis heureux, elle a changé mon truc. Ok. Ok. Ah oui, d'accord. On va redonner de la vie à quelqu'un parce qu'on a besoin. Non, en soi, c'est pas mal parce que le truc, c'est que si tout le monde est un peu exploité, quoi. Mais bon. Ou sinon on fait un truc très simple. On fait Final Strike. On fait ça c'est pas grave. En fait le truc c'est que. Voilà. On va utiliser un jouet. On va utiliser on va utiliser la dynamite sur elle. Qu'importe. C'est vraiment résilient. Vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est le moment d'être sérieux. Et voilà, donc du coup elles sont énervées, donc ça va être bien. Donc du coup là le problème c'est que si on est heureux ça va être un peu haineux, ça va être compliqué. Mais si on est tous tristes normalement ça devrait passer. On va voir. Donc, ça va enlever toute leur défense, donc déjà ça c'est la dynamite, ça va lui faire mal. On va exploiter le fait qu'elle soit voilà, elle soit énervée.
Et on va du coup faire en sorte que qu'elle puisse revenir. Juste heureux. Et on va faire une attaque normale. On va peut-être lui donner de la vie plutôt. Une batte, non. Alors, c'est une juice, oui. C'est dommage. J'exploite leur émotion, donc là, c'était pas mal. Medusa, tu penses à ce que je pense? Ah, oui, oui, sœur. Je pense que c'est le moment de changer les choses. Ça me foutra pas de mal. Ah, ils vont changer de place, c'est ça? Il n'y a que quel qui est visé, mais c'est bien. Hein. C'est bien qu'il n'y ait que quel. Ah non, il y a aussi... Alors, est-ce qu'il va prendre de la happy? Ok, ça c'est cool. Là, elle est extatique, normalement. Du coup, il faut que je donne de la vie à Aubrey. On va exploiter... Parce que je crois qu'elles sont au deuxième niveau de leur énergement. Hein. Il faut que je donne de la vie ensuite. Voilà, et le curveball, make for feel a random emotion. Dit extrêmement dommage to feel with emotion, voilà. Et du coup, ça va. Du coup, Kel, il va faire une attaque qui, voilà, qui augmente si elles sont tristes, et vu qu'elles sont deux fois tristes, mais c'est ce qui a été très énervé. Donc là, elles vont être protégées par contre. Sachant que je vais exploiter, en plus les exploiter avec mon Omori. Voilà, elles ont perdu moins de vie, mais c'est pas mal. Le problème, c'est que quand elles sont tristes, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont changé d'émotion. Petit T pour Aubrey. Là, c'est pas mal aussi. On va refaire exploiter. On va refaire leur lancer le truc. On va refaire changer leur émotion. Et on va refaire du T pour Omori. Et normalement, au prochain, on peut faire un combo. Si on ne perd pas un mot. Ok, j'exploite encore la notion. Normalement, ça devrait être pas mal. On leur enlève beaucoup de magie, en fait. C'est pas mal avec l'exploit. Allez. T'es toujours vivant. Voilà. Prends ton thé. Et là, on va pouvoir faire ton combo. T'inquiète. On est là pour ça. Et on va faire... Donc on redonne 75% de sa vie, donc on va partir. Bon. Ah bon. Oh, allez. Oui. J'avais oublié le combo. Donc là, ça va se passer très bien. Ça va prendre cher. Elles sont pas encore dans le mal. Allez. Non. Ah oui. Oh la chance. Oh la chance, c'était limite. Aïe. Je savais pas qu'ils allaient... Ah oui, ils ont enlevé tout le jus. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là, elles sont vachement sérieuses, là. On a perdu tout. Je pourrais pas... Si je me refais attaquer avec Omori, c'est un peu un gros problème, en fait. Elles ont combien de vie, hein? Appuyez sur les amis. Revenu de l'émission. Ça rend tout le monde malheureux. Enfin, énervé. On va attaquer comme ça. Hein. On va faire confiance à. Enfin, on va faire confiance juste à ce que notre héros donne. Au moins toute la vie à Omori.
Attends, un combo. Je vais en faire plusieurs des combos. Ah, du coup, Mori va prendre cher. On attaque deux fois. Et du coup, Eru va prendre l'expérience. Bien joué, c'était trop fort. Quelle fin. Qu'est-ce qui pourrait nous nourrir maintenant? Qu'est-ce qui pourrait nourrir la baleine maintenant? Du coup, il va pas monter de level, Eru, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Le combat aurait dû être simple. J'ai oublié de chasser. J'en ai marre de ce genre de non-sens. Je suis juste... Je vais juste me rester collé à... Je vais juste rester à la recherche pour l'instant. Bien les filles. Je pense qu'on a... On n'est plus à notre meilleur niveau. Et si on était 200 ans plus jeunes... pas pour vous alerter, mais j'ai eu l'impression que j'ai mon appétit est en train de devenir un peu plus grand. Oui, on a entendu. Molly va donner à manger à Humphrey de quelques thunes. Je suis sûr que je lui ai donné à manger la dernière fois. Et en plus, j'ai utilisé toute la thune sur le logiciel que j'ai utilisé pour mon dernier travail. J'ai faim. Ok, donc du coup, Médusa, eh bien, je n'avais pas l'habitude de... J'ai pas l'habitude de donner à manger à un frère. Donc, si ma mémoire me rappelle bien, ce n'était pas à toi de nourrir, Marina. Attendez. Je croyais que c'était à Molly. Je suis sûr que c'était à Médusa, cette fois-ci. Alors, du coup, baleine. J'ai l'impression que vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez pas me donner à manger, je crois que je vais juste manger moi-même. Non, mes affaires. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Un frère va gérer tout. Peut-être qu'on devrait s'échapper. Mais on n'a pas trouvé notre A. On a vraiment utilisé notre W. On a vraiment utilisé toute notre énergie. Peut-être c'est le moment de nager avec les poissons. Donc mourir, quoi. Youhou! Ah! Alors, seafood, c'est... comment ça s'appelle? Les animaux de mer, en général. Humphrey a perdu contrôle. Comment on va sortir d'ici? Soyez calme, on va essayer de trouver une sortie. Bon, ça n'a pas l'air pas. Hein. On va aller tout droit, j'imagine. La porte est fermée. La porte est fermée. Donc c'était peut-être pas par là qu'il fallait passer. On descend. Thank you.
On va faire un petit level up de vie. Les amis, est-ce que je peux vous dire que vous êtes délicieux aujourd'hui? Frère, arrête ça. Tu n'as pas déjà assez mangé? On t'a dit qu'on allait te manger plus tard. Qu'on allait te donner à manger plus tard. Mais vous pouvez me donner à manger maintenant. Juste laissez-moi vous manger. Au moment de manger, au moment d'être mort. S'il te plaît, mon frère, on veut pas être mangé. C'est un peu trop tard maintenant. Vous n'auriez pas dû rentrer dans ma bouche. Ce n'est pas bon, les gars. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en sortir. Ne dis pas ça, héros. Ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Il n'y a pas besoin de s'embêter, les enfants. C'est plus satisfaisant quand vous préparez à manger. Quand on prépare notre propre manger. La préparation a déjà commencé. Le dîner est bientôt servi. Et vous êtes le menu. On peut même pas sauvegarder. On a toutes nos vies. C'est le moment de manger, Ok, bon, allez, c'est parti. On fait les attaques normales pour voir comment ça se passe. Un peu mal quand même. Ah oui, d'accord. Ok. Je pense qu'on va leur faire changer de. On va lui faire des balles courbes pour voir s'ils changent de. Quel il va prendre cher. Ah, on va essayer ça. Est-ce que ça leur change? Ah si. Sauf qu'ils sont gros, c'est dommage. Hein. Faudrait être qu'on soit triste tous. Ah. Ils ont tué qui? Ok, alors du coup on a un petit problème, il faut que je puisse les rendre tous tristes, ou qu'on soit tous tristes. Snack, est-ce que je peux faire ça avec un trouille? Je vais essayer de faire un revive Kel. Normalement on va être triste et normalement on pourrait gagner. Ouais. On va voir. Alors, on va exploiter. Cook again. Cette fois-ci pour toi même. Ah c'est bien, je vais donner de la vie du coup. Je vais voir si on peut augmenter notre steel stad et normalement ça devrait fonctionner bien. Le dernier combat a commencé, mais maintenant... Mais est-ce que vous pouvez vraiment gagner et fonctionner à 1?
Ah. Du coup, dès le départ, il faut qu'on mette heureux. Parce qu'il est pas heureux. Shift. Et ensuite, on va augmenter notre tristesse. Et on va faire... rebond. Donner de la bouffe à Kel. On va essayer de faire strat un peu. Hein. Voilà, on prend moins de coups parce qu'il est heureux. Donc normalement, s'il reste dans cet état-là, on peut exploiter tout. Ok. Rebond. Et on va faire une attaque normale avec... Il a regagné beaucoup de vie là en se faisant... Ah si si, ça c'est bien. Le fait qu'elle soit en mode dépressif là c'est... Omori. Voilà, maintenant il nous touche plus en fait parce qu'on est en, on est trop dans le mood. Ok. Alors là j'ai utilisé l'attaque de Omori. Et en fait, normalement, vu qu'il a un niveau plus élevé, voilà, c'est ça. On va aller plus vite. Y'a pas besoin... Voilà, c'est bon. Là, on est bon sur ça. On va voir qu'on... Ouais, bon, de toute façon, il a fini, il est mort. De toute façon, là, il est mort. Prochain tour. Hein, voire même quel, il a déjà fini. C'était juste un warning. Ça va devenir encore plus smelly. Non, c'est le moment d'aller dans le ventre. On a perdu un peu de jus. Qu'on rende son ventre heureux. Du coup, ça va moins marcher là. C'est pas mal quand même. J'aurais dû donner à Kiel. Faut qu'on se snack là tous. Un peu. Je veux juste voir s'il lui reste beaucoup de vie. Ah, d'accord. Je vais faire Final Strike. On va snack tout le monde. On veut juste du jus pour tout le monde, si possible. Juice pour tout le monde. Et pas plus. Ouais, bon. Pour tout le monde. Ouais. 40, 80, ok. Eh bien, on va faire pas une belle courbe, on va faire en sorte qu'il soit heureux. Shift. Qu'on ait toujours l'avantage. Et on va faire un petit T. Attends, le T c'est juste 75%. Donc fast food c'est 40%. Il nous faut absolument 40% de. Quel. Et normalement ça devrait être bon.
Ça, ce qu'importe aussi combien de rapide ou longtemps, vous allez toujours. Il y aura toujours plus de problèmes le plus vous allez profondément. Okay. Il nous a tous avalés là ? Encore ? Mais là on est en combo là. Normalement ça devrait être bon. Censé avoir fini. Parce qu'en fait, vu qu'on est tous en tristesse, on gagne pas d'avantage à être triste. À part s'il est toujours heureux. Donc là, s'il est toujours heureux, peut-être que c'était juste ça qu'il fallait attendre. Ça, il est un peu bourrin quand même. Allez, relaxez-vous, il n'y a rien à perdre. Eh, Mori, ça devient pas dur. C'est vrai que là, t'as quand même perdu 1500 points de vie. Hein. Il va encore nous manger. On se débat, mais est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Je sais pas. Faut s'enfuir. On peut pas. Ok. Eh bien, ça va être compliqué. Il a combien de vie là? Ah mais non, c'est fini. On va mettre un coup de tête. Et... on va faire un thé pour Omori. Et en fait, je pensais que ça allait être fini là, mais non, pas du tout. Ah, on s'est quand même mangé un peu, parce qu'il n'attaque pas depuis tout à l'heure. Il n'a pas le temps en fait. Donc là, normalement, Aubrey perd un peu de vie. Donc c'est bien, un petit thé. Faire à manger est très rigolo. Ça devrait être rare. Ah oui, c'est grosso modo la cuisson, quoi. Donc là, c'est en fait une attaque. C'est pas on descend plus bas, en fait. C'est une attaque de digestion, en fait. Donc là, normalement, la prochaine, c'est fini. On survit. Tant qu'on survit, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Là, on fait une attaque tous normale. Normalement, on va arriver à 10. Rapidement. Oui, n'hésitez pas à continuer. Donc ça n'a rien changé. Vous êtes incapable de vous échapper maintenant. Bon, c'est pas la peine, on va jamais réussir à sortir de Onfray. Omori, j'ai peur. Pourquoi on s'est mis dans ce bordel? T'inquiète pas, Aubrey, on va réussir à finir, à sortir. On est sorti de plein de situations. Ouais, on peut pas abandonner. On doit juste sortir. Okay. On va prendre juste Omori. On va donner de la vie à tout le monde avec... le skill 2. Ah oui, d'accord, excusez-moi. On va utiliser d'abord la pochette. On va prendre un snack exprès pour du jus. Ah non, ça devrait être bon.
skills. Héros. Hook. Use. Voilà. Et maintenant, on fait juste un petit retour dans les snacks pour donner beaucoup de jus à tout le monde. Parce que j'ai presque jamais utilisé les trucs, donc tant qu'à faire. Mais j'en ai pas donné beaucoup à... à Aubrey. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, on est censé trouver notre W, hein, quelque part ici. Vous allez quelque part, Niak? On va taper sa glotte, hein. Et voilà, on est victorieux. C'était beau, hein. Fallait juste qu'il nous vomisse. Mais du coup, il va nous cracher ou pas? C'est toutes les bouches qu'il a dans la... Ok. Ah, il a sorti la touche. Ok. Il a sorti le double, le T aussi. Ouais, ça n'a pas été cool. Soudainement, je me sens fatigué. Je pense que je vais prendre une sieste. Alors, est-ce qu'on a besoin du T? Bon, c'était proche, hein. Oui, ne jamais sous-estimer un estomac affamé. Ça faisait très peur. Mais est-ce que tu sais que... on a réussi à s'en sortir tous ensemble. Donc qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je suis pas sûr. Est-ce que si on allait chercher autre chose? Est-ce que Hero n'avait pas mentionné un autre truc? Oui, on suivait Sweetheart. La situation semble avoir été résolue elle-même. Je suis sûr qu'il y avait autre chose. Tu t'inquiètes de tout, Aubrey. Allez, on devrait se relaxer. Et juste kiffer un peu le moment. Je pense que t'as raison. Je suis un peu fatigué. Et moi aussi. Alors, est-ce qu'on avait besoin de du thé? What is the great question? Welcome to... oui, on a besoin du thé aussi. Bon, alors, on va prendre le W d'abord. Deux clés. Welcome to Black Space. Donc du coup, il manque le C après. Il manquera juste le C. Ah oui, parce que... attendez.
Pourquoi on peut rentrer là? Bon, je vais juste sauvegarder auprès de Marie, qui est juste à côté. Marie n'est pas là. Je sauvegarde. On a 30 heures de jeu pile. Bim. Je vais juste checker ça et on va s'arrêter là de toute façon. Donc, vous inquiétez point. Donc, du coup, ça finira au 12, je suppose. J'espère. Ou 13. Comme notre 13 bis. Et du coup, ça c'était quoi déjà? Ah oui, c'était le chemin. Bon, on a tout de toute façon. Il faudrait qu'on aille juste à la forêt. Ça sera du coup pour plus tard. On va juste sortir, voir si Marie nous dit un truc, mais normalement ça devrait être bon. J'ai bien fait de passer de là, hein, du coup, parce que l'histoire de la carte. Voilà, maintenant c'est bon. Donc il manque juste la forêt. Donc il y a vraiment un truc en fait. On sort des toilettes. Hein. Ah oui, d'accord. Bon bah bonjour Marie. Vous sentez mieux? Est-ce que vous voulez pas utiliser un pique-nique? Oui. J'ai dû avoir de la chance sur le chemin, les certains chemins dans cette partie-là, n'empêche. Ça aurait pu prendre plus de temps si j'avais dû chercher mon chemin. Bon. Ok. Bah, on sait où on doit aller. Je vais aller, du coup, directement voir Pluto. Voir Pluton. Et on va directement se casser. Pluton, il est pas là? Y a pas un chemin direct pour aller. Il est où, Pluton? Il est où? Y a pas son arrêt de bus? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Bon, du coup, il faudrait que je me retrouve du coup au niveau du Deep Well. Je sais pas. Hein. Pas là? Non. 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 Ouais. Mais du coup, je comprends pas. Si, c'est au Deep Well du coup qu'il y a l'arrêt. Oui, alors du coup, il faut reprendre. Bah, il est où l'arrêt? Elle est là. Donc, on va aller directement à la forêt. Comme ça, la semaine prochaine, on peut enchaîner directement de là où on doit être. Et on cherche plus. Attends, je sais plus où on doit aller. Hein. La Firefly, ouais, je crois que c'est ça. Voilà, et on sauvegarde ici. Je crois qu'on est au bon endroit. Ah bah non, on est pas au bon endroit du tout. Bon, on va vers la forêt. La vaste forêt. On va demander à Pluton de nous faire le travail. J'ai réussi à faire 17h30 pile. C'est beau. Allez, hop. Petite sauvegarde. Et on se retrouve la semaine prochaine. La sauvegarde, elle est là, je crois. Ah, mais y a plus le trou. Non, elle est plus là. Où déjà? Où est le parc?
Non, c'est pas ici. Le parc, il est pas là. Le parc, il est en haut. Et voilà. Donc, dans pas longtemps, la semaine prochaine, il y aura encore le chip stream. Vous pouvez aussi retrouver du coup les premiers épisodes de Omori la semaine prochaine aussi. Aujourd'hui, c'était la fin de Going Under sur YouTube. Il y a Twitter si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le planning, ce genre de truc là qui risque de se passer la semaine prochaine. C'est toujours pas TW, je me trompe maintenant, depuis trop longtemps. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le fait que vous pouvez aussi avoir des informations sur comment ça va se dérouler, parce qu'on va avoir un planning un peu compliqué en septembre, mais voilà, Discord. Et aussi pour d'autres informations, genre les médiathèques, enfin ce genre de trucs là, bibliothèque, on fait tourner des trucs. Voilà, voilà. Que dire de plus? Oui, si vous voulez participer à la prod, d'ailleurs, en parlant de la prod, regardez, j'ai fait une petite commande. Il suffit juste de taper la prod, c'est les personnes qui nous soutiennent actuellement. Voilà. Et ensuite, bien entendu, pour nous soutenir, c'est de ce côté-là. Donc si vous êtes motivé, c'est par là. Alors je vois qu'il y a une personne, je sais pas si on va faire un raid du coup. Je vais regarder vite fait. Ça peut être important. Nibbler, tu veux aller quelque part? Je t'envoie dans un raid. Voilà, donc du coup, à plus. See you, see you.